Aïe, la boule de feu, 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 la boule de feu. Allez. Oui, c'est bon, ça va passer large. Large, on avait même défendu. Mais c'est incroyable ce deck, il est beaucoup trop fort. Ah, je sais que ça va faire une vidéo longue, mais j'ai envie d'aller finir le SD, hein, parce qu'on est vraiment pas loin. Hein. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour jouer un deck avec les 8 meilleures cartes du jeu ensemble. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors oui, il y en a peut-être qui vont me dire que d'autres cartes auraient été possibles dans ce deck-là, comme l'électro-géant, comme le GR. Je suis assez d'accord avec vous. Encore une fois, c'est subjectif, mais à l'heure actuelle, les cartes, moi, là, que j'ai mis dans ce deck-là, c'est les cartes qui, à l'heure actuelle, doivent être nerfs. Très urgent, hein, c'est très très urgent, c'est nerf. Du coup, Mamie Sorcière, est-ce que vraiment on a besoin de vous présenter la carte? Je ne suis pas sûr. La Foreuse, forcément, carte qui doit être supprimée du jeu. Le Bombardier, j'étais vraiment sceptique sur le fait qu'il passe à 2 d'élixir, mais finalement, pour 2 d'élixir, il fait, surtout dans les decks, dans les gros decks comme le Golem, etc., il fait une différence assez monstrueuse, même dans les decks Molos. La Tesla, le bâtiment défensif, qui pour 4 d'élixir est capable de te faire une value de 57. Les Bats, alors les Bats à 2. C'est fort, en fait les bats toutes seules sont fortes hein, avec la sorcière de nuit, etc. Donc c'est pour ça, ça c'est vraiment la carte, je pense, on peut changer avec un GR ou électro-jean. Mais je me suis dit que voilà, les bats c'est quand même fort, donc ça a sa place dans ce deck-là. Le Prince Ténébreux, qui en soi a pas changé, a pas subi de up ou quoi que ce soit, mais étant donné que la Foreuse est devenue méta, le Prince Ténébreux est revenu dans la méta, et sincèrement il est quand même très très fort. La boule de feu, le sort complètement pété, et bien sûr l'esprit de feu, qui pour un délex, quand il connecte à la tour, te fait plus de dégâts qu'une boule de feu, c'est complètement logique. J'ai juste fait des games avant, j'ai fait des games avant avec le déclame, malheureusement, bah, vous connaissez, bug micro, tout ça, du coup j'ai dû relancer, mais on est en 7-0, on se perd des filles, donc on aura des très belles games, je vais pas lancer en ladder, parce que bon, je suis à 6-5, je pense pas que ce soit très intéressant, du coup on est en 7-0, et on se retrouve tout de suite dans la première game. Allez, on est parti du coup les potes, dans cette première game contre, bah, je pourrais pas vous dire qui c'est, mais vous allez voir, en fait, j'ai fait des games, et je m'en sors plutôt bien, 7-0, on se perd des filles, je sais pas si vous vous rendez compte, bon, après il y a de la Foreuse, donc la Foreuse c'est un petit cheat code. Mais en vrai, je m'en sors plutôt bien. Hein. Je rigole zéro, vraiment. J'ai battu du Molos quand même. J'ai battu vraiment pas mal de decks. Peut-être juste baisser un petit poil. Voilà, le son du jeu. Ok, par Prince Ténébreux également. Avec Dragon d'Enfer, Bombardier. Ça a l'air de sentir. L'électro-géant. L'électro-géant, pardon. Ça a l'air de sentir ça. Pour l'instant, en tout cas. Ok, petite tornade de sa part. Bien joué. On va pouvoir. Mettre esprit de feu ici. Hop, on va partir bombardier fond de map. Ok. Ouais, aussi avec squelette, je pense que c'est. Je pense que c'est électro-géant. Je pense que c'est électro-géant. Bon, en vrai, avec Tesla Foreuse, on peut être pas mal. Ce truc, c'est qu'on cycle un peu moins vite qu'avec la version classique. Parce qu'en vrai, ce deck ressemble beaucoup à au deck Foreuse que vous connaissez, hein, clairement. Mais voilà, hein, c'est les cartes qui sont pétées à l'heure actuelle. Donc, bah, nous, on joue les cartes pétées. Hein. Allez, on va mettre l'esprit de feu ici, nickel. Parfait, on va se faire des cochons, c'est nickel. Les petits cochons qui vont pouvoir aller mettre la pression là. On la bat. Non, malheureusement. Ok, est-ce que la mamie sorcière peut. Ok, ça part instant électro-jouant de son côté. On va faire ça plus Prince Neur ici. Voilà, nickel. Est-ce qu'on partirait pas Foreuse derrière là? Et avec les battes derrière là, nickel. On peut mettre de la pression. Il va devoir tornade. Hein. Voilà, il va devoir tornade et comme ça en fait il peut pas tornade les gobelins. Et ça m'arrange clairement. C'était fait exprès, hein. C'était exactement ce qu'on voulait qui se passe là. Et regardez comme ça le Prince Nébreu peut aller mettre un coup. Et regardez moi déjà l'avantage qu'on a en fois 1 d'élixir. Est-ce que vous vous rendez compte de cette puissance, wesh? Mais c'est incroyable. Ok, on va mettre Mamie Sorcière ici. Donc il y a l'esprit de feu qui va se faire one shot. Et voilà, la Mamie Sorcière qui tombe haut, qui va se faire spawn ses petits cochons tranquillement. Voilà, il pose. Il pose son électro-géant en fond de map, donc on va commencer à poser une première Tesla. Est-ce que la Mamie Sorcière peut aller prendre la tour? Ça serait plutôt good. Parfait, 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 ça va aller prendre la tour, du coup on a juste à défendre. Ok, on va partir Mamie fond de map. On va essayer de recycle la Tesla, il va sûrement la foudre. Parce qu'il faut qu'on essaye de recycle. Et il va même pas la foudre, ouais, il peut rien faire, hein. Il peut rien faire, gros. Le deck est beaucoup trop fort en fait. Hop, on va les boules de feu ça, voilà, on va mettre les battes en plus. Voilà, mais c'est incroyable, mais pardon. Non mais ouais, non, mais les battes en fait, les battes ont clairement leur place dans le top 8 des cartes. Hein. On va pas se mentir les potes. Hop, petit esprit de feu ici. Nickel.
Oh les Bat, mais regardez-moi ces Bat. Non mais je suis désolé hein. Oh. Non mais c'est win hein. Up, on a déjà recyclé la Tesla. Parce que forcément tu mets une Tesla frère, elle fait comme je vous ai dit 57 value d'élixir. Et derrière t'en as déjà une deuxième dans la main, c'est ça qui est impressionnant. Et du coup on arrive en 8-0, aucune défaite hein, pour l'instant avec ce deck. Mais c'est pas croyable, genre le deck est vraiment trop pété. Le deck est vraiment trop pété, on vient de battre Electrogen, vraiment les doigts dans le nez hein, gros. J'ai même pas réfléchi, juste envoyé la Porus derrière, mis les Bat au pont pour éviter que... qui tornade les gobelins tour du roi, et puis on a gagné la game. Voilà, si simple. Ok, du coup, première game gagnée, on enchaîne directement avec la deuxième game. Allez, on est parti du coup, les potes, sur cette game suivante contre Saint-2. Ok. Vous avez vu en première game, franchement, plutôt facile. Non, je vous assure, on a créé une machine. Hein. On a créé une machine de guerre, là. Bon, à tout moment, je suis en 8-0, je vais faire 8-3, on va parler chinois, mais... Ok, on va mettre... Oh, un petit bourreau zap, ça sent... Ah, j'ai le nez pour dire que ça sent ballon. Je suis désolé, je suis... J'ai travaillé ça pendant des années. Ouais, bah je travaillerai encore un peu plus, je pense. Ah, le bat, ça. Ça, c'était point cool, le frérot. Ok, c'est pas grave, on va continuer de mettre la pression. Oh, il nous a mis des bons dégâts avec sa tornade, là. Mais par contre, faut que tu def, hein. Ça met tellement de pression, c'est incroyable. Ok, bombardier meurt pas, s'il te plaît. Nickel, bon, il va mourir par le fantôme, assez logiquement. Tu vois, on va tanker ça avec la mamie. Ouais, c'est le problème, hein, c'est que du coup, ça me coûte un peu cher quand même. Bon, forcément, la mamie dans ce genre de deck, c'est pas si elle est pas jouée, c'est pas pour rien. Hein. C'est que tu... ça cycle beaucoup moins vite. Mais en vrai, c'est pas dégueu quand même, je pense. Hein. Je vais plutôt mettre la test, en fait. Ah, je l'ai laissé dash comme un con. En fait, j'ai été avec Cabren. J'ai pas voulu mettre les bats parce que je sais qu'il a zap. J'ai pas voulu mettre Prince Nereus parce que je sais qu'il a foreuse. Mais du coup, j'ai trop patienté. Mais du coup, mon nez pour sentir le ballon, là, ouais. Ouais, tout pareil, ouais. Tout pareil. Quoi? PK? Hein? Hein? Non, tu mens, mec. Il ment, c'est pas possible. Oh, la bête fait ton taf. Ok, ça va. En vrai, pour le pêche qu'il nous a mis, ça va. Hein. Ouais, ça va plus, en fait. Ça va plus. Aïe. Mais putain, mais qui joue ce deck, frère? Mais c'est quoi son deck? Il ressemble à rien. Merde, on va perdre la game. Mais qui joue bourreau tornade PK foreuse, frère? On est dans quel monde, là? Avec un fantôme royal, en plus de ça. Il ressemble à rien, son deck. Non, j'ai trop mal dev, j'ai trop le seum. J'aurais pas dû mettre la foreuse en défense. Je pense pas que c'était le meilleur play à faire, on va pas se mentir. Ok. On va essayer de repartir foreuse ici. Et forcément, il va mettre des PK en mode YOLO. Ouais, il a déjà recyclé le bourreau, malheureusement. Ouais, j'avoue, bourreau fantôme royal, ça commence à faire beaucoup de choses pour gérer notre foreuse là. Qui est notre une condition, hein. C'est pas censé être une condition cette carte, mais ça en est devenu une, hein. Allez, s'il te plaît, la boule de feu. Allez, les gobelins. Ah, il a le sorcier électrique. Ok, bien joué. Ah, j'ai trop mal défendu, Jelton. En vrai, j'ai mal défendu, c'est un peu dommage. Mais c'est le karma. J'ai dit qu'on avait créé une machine. Et voilà, forcément, on défend mal derrière. Là, c'est moi qui fais l'erreur de... J'ai un peu mal défendu. J'ai un peu trop mal joué, en fait. En mettant ma Tesla sur la voleuse, j'aurais quand même dû sortir, je pense, les bats au risque de zap, mais de me prendre des dégâts derrière et derrière d'avoir la Tesla pour défendre le PK. Parce que là, j'avais plus la Tesla, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un PK, je vais pas vous mentir. Il a un deck encore plus chelou que le mien, je veux pas... Ok, bon, j'ai déjà lui, allez, c'est pas grave, on enchaîne avec une autre game. Allez, on est parti, du coup, dans cette nouvelle game contre Dame Puce de Boreal MG. Ouais, bon, voilà, comme quoi, hein, les super défis, même en 8-0, frère, tu peux rencontrer des decks ultra zarbi. Voilà, comme quoi. Allez, on va essayer d'enchaîner avec des petites victoires. C'est dommage. Bah après, j'ai le seum parce que mon micro avait bug au pire moment. Parce qu'il y avait des très belles games à vous montrer. J'ai un peu le seum. Et bon, au moins, on a des games un peu mieux. Bon, voilà, on peut quand même se prendre des decks chelous avec la game d'avant. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Et on va tenter la foreuse. Hein. On va tenter la foreuse, mettre la pression. Ok, c'est une pêcheur qui va un peu se faire détruire là. C'est pas mal pour moi, ça. Est-ce que le prince Nimbru peut taper en zone? Oui, il tape une fois en zone, c'est parfait. On va pouvoir mettre les battes. Alors, il est peut-être sûrement là. Oula. Non, mais regardez les battes! Mais comment vous pouvez me dire que c'est pas fort?
Comment vous pouvez me dire que c'est pas fort? Genre, regarde-moi dans les yeux à l'heure actuelle et dis-moi que c'est pas fort. C'est pas possible. Genre, non mais c'est pas possible. Bat Tesla, ça a géré Prince Ténébreux, gère. Enfin, comment on peut oser me dire que les battes sont pas fortes? Bon, c'est cheaté, frère. C'est complètement pété. C'est incroyable. Pour deux Delex, hein. Deux Delex. Non, c'est beaucoup trop fort. C'est un fait, c'est un fait. Elle va partir foreuse bombardier. Ok, bien joué à lui, mais du coup, il a pas son cul pour aller gérer notre foreuse. Du coup, on met beaucoup de dégâts là-dessus. Et ça me va clairement. Allez, on va mettre la même ici. Il va sûrement boule de feu. Ce qui sera assez logique. Pas du tout. Alors, il a peut-être la foudre, du coup, donc faut faire attention. Faut faire attention à sa foudre, du coup. Donc, on va partir Tesla ici. Est-ce qu'il joue sa mamie ou pas? Ouais, logique. On va pouvoir boule de feu direct. Voilà, parfait. Voilà, on va pouvoir repartir directement avec notre petite foreuse. On va remettre l'esprit de feu. Ouais, cette fois-ci, il va fuir barbare, j'imagine. Non, ok, recycle sur son prince Nébru, c'est plutôt bien fait. On va remettre même ici. Oh non, ok, il a bien boule de feu quand même. Il a bien boule de feu quand même. Ok, on va essayer de perspawner un petit cochon. Est-ce qu'il revoit sa mamie? Logique. Bon, il faut absolument qu'on garde la boule de feu pour la mamie, sinon on va prendre trop cher. Et regardez le petit cochon qui continue de gratter. Oh, c'est à deux de connecter malheureusement. Allez, on va repartir esprit de feu ici. Repartir bombardier fond du terrain. Voilà, comme ça il est obligé de mettre sa MG, sinon il sait qu'il prend des dégâts, donc il peut pas trop se permettre. On va protéger ça. Oh le cochon, non mais regardez la mamie, regardez, ça permet tellement de tempo. Ça permet tellement de tempo, ça a fait spawn le petit cochon et du coup bah ça a pu défendre le derrière correctement. Bon, on est toujours devant. Faire attention parce que là, je commence à avoir un petit peu de mal à défendre, en tout cas un petit peu plus paniqué. On va pouvoir mettre la Tesla ici. Voilà, encore une fois ce petit cochon. Hein. Ce petit cochon là qui permet un petit peu de tempo. Le problème en fait c'est que j'arrive plus à mettre ma foreuse. Parce qu'à chaque fois il a son prince Nébreux dans le cycle. Ok, on va essayer de refaire ça. Hop, avec le bombardier. On va remettre un petit peu de pression parce qu'on le laisse un petit peu trop jouer le frérot là. Ok, le bout de feu ici c'est pas mal. On met des dégâts. On va chercher le pêcheur là-dessus. La mini sorcière qui est encore ici. Ok, bon là faut faire attention parce que je pourrais pas trop mettre mes battes. Ok. Ok, bon, par contre, il y a une bonne boule de feu à mettre là. Ouais, c'est un peu la merde là. Non, je voulais pas faire ça. Oh, je perds la game là-dessus. Oh, je vais être sûr que je perds la game là-dessus. Ok, il faut réussir à bouger le GR là. Voilà, nickel. Ah, je panique. Je panique, les potes, je panique. C'est la sauce. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi gagner. Non, j'ai pas le droit de perdre là-dessus, j'ai trop paniqué. Allez, la boule de feu, nickel, ça met des bons dégâts. Allez, je pense pas qu'il ait le temps de renvoyer un GR. S'il a le temps, on aura la Tesla. Oui, on va la win. Oh, j'ai tellement paniqué. J'ai fait tellement de la merde. J'ai fait la pire game à la fin. On va quand même aller la chercher. Ouh. Oh, je me suis fait peur. J'ai trop mal joué la fin de game. Oh, j'ai été dégueulasse. Mais en fait, c'est dès qu'on a commencé à push, dès que j'ai commencé à repush et à mettre la foreuse sur sa tour avec la boule de feu. En fait, en mettant la boule de feu, et c'est là, vous voyez quand même la même sorcière, la différence qu'elle est capable de faire. C'est que du coup, derrière en défense, bah je panique en fait parce que si je mets les battes, la même sorcière va faire spawn 17 milliards de cochons, ça va être trop dur à gérer. Mais en tout cas, game prise ici, nickel, on gagne quand même notre game contre le deck GR, deck méta. Hein. Mais voilà, la même sorcière elle te met tellement de pression. Il y a des moments, j'avais quand même recyclé que la boule de feu, mais j'avais pas fait gaffe. Donc j'aurais pu la tuer directement, mais du coup j'ai paniqué, mais on a quand même tenu la game. Ce qui nous fait une deuxième victoire et on enchaîne directement avec du coup une quatrième game. Allez, on est parti du coup, les potes, sur cette quatrième game contre 8 mailles. Enfin, c'est 8 plutôt, hein, parce que bon. Allez, on va partir comme ça, on va mettre, hop, les petites battes en plus. Ok, encore une fois, ce prince Ténébreux. Il revient souvent, comme je vous l'ai dit, le prince Ténébreux. Voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de
vous le prouver maintenant. Voilà, en fait, le seul problème, voilà, c'est sur le prince ténébreux, en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment de temps, qu'on est obligé de sortir notre prince ténébreux à nous. Du coup, c'est un peu idiot. Bon, on va laisser l'esprit de feu connecter, hein, c'est pas problématique. Là, par contre, on va aller mettre la pression derrière. Voilà, avec les bats en plus. Les bats vont faire leur taf, hein. Les bats vont faire leur taf. Si... Oh, bien joué l'esprit de feu, là, mais ça va quand même aller connecter, hein, voilà. Encore une fois, la différence, hein. Des bats là-dessus. Oh, j'ai paniqué. J'ai le seum. Oh, j'ai totalement panique, là. Là, par contre, ça fait du temps pour aller gérer sa foreuse à lui. Intéressant. Ouais, j'ai paniqué, là. Je m'attendais pas à ce que le bombardier fasse... Non, mais je fais pas confiance à mes cartes. Mais le bombardier, frère, je m'attends pas à ce qu'il fasse... ce qu'il fasse ça aussi. Donc, c'est pas grave, on va essayer de partir même sur le fond de map. Après, on a quand même bat plus bombardier pour gérer si jamais il y a vraiment besoin. Après, là, il profite pas, hein. Là, il profite pas, en fait, d'avoir... d'avoir l'avantage que j'ai plus Prince Nimbrou pour envoyer sa foreuse, donc c'est un peu dommage pour lui. Oh, par contre, esprit de feu magnifique, là. Esprit de feu magnifique de sa part. Ok, nickel, ça. Bon, bah, tant pis, en même temps, défendre son Prince Nimbrou, c'est exactement ce que je voulais. Ça, c'est parfait. Parfait quand ça se passe comme ça. Donc, on va mettre la Tesla pour tamponner un petit peu, là. Alors, moi, ça va aller tanker cette voleuse. Nickel. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir aller sniper ça. Nickel. Ok, on voit ça. Ça, c'est la foreuse. Hein. J'avoue que je parle en langage codé. Oh, le gobelin. Merci. Ok, on va commencer les boules de feu, je pense. Hein. Ouais, boules de feu, les Tesla. Alors, vous voyez, la différence, c'est vraiment les squelettes et tout, hein, pour temporiser les petites troupes, là. C'est vraiment hard carry, hein. C'est vraiment hard carry. Wow, on se calme, mec. Calm down. Please, on se calme. Il est malade, lui. Ok, ça recycle l'esprit de feu. Ah, c'est en fait, à chaque fois, moi, je suis obligé de sortir mon prince Nebo, du coup, ça me fait un peu chier. Ah, ça gratte encore malgré l'esprit. Ah, j'arrive plus à repasser, là. Là, j'arrive plus à repasser, c'est un peu problématique pour l'instant. Ah, le bombardier peut-être. Ah, dommage. Il va remettre la pression. Logique. Non, le changement d'agro. Aïe, le changement d'agro. J'ai mis l'esprit de feu trop tôt, my bad. Ah, vous voyez quand même. Bon, voilà. C'est... Ça peut marcher. Le deck peut marcher, mais pas tout le temps, ok. Pas tout le temps. On n'a pas le meilleur deck du monde non plus. Pas grave, on essaie de relancer. Mais là, le souci, en fait, c'est vraiment ces petites troupes, en fait. Ces petites troupes, du coup, ils sont beaucoup plus vite. Et il peut tranquillement protéger ses troupes, alors que moi, bah, enfin surtout sa Tesla, moi j'ai pas de petites troupes pour protéger la Tesla par bombardier, mais c'est un peu complexe. Du coup, c'est très compliqué. Très compliqué, mais en vrai, ça peut quand même marcher. On pouvait gagner la game en vrai, je pense. Ça restait complexe, mais pas impossible non plus. Ok, le mi-sorcier ici, bon, c'est juste pour ça que laisser mettre un petit peu de pression. Bon, ça va aller connecter en plus sur le tour, donc ça me va. On dit pas non. Ok, c'est le golem clone. Golem clone des petites familles, là. On connaît. On connaît le deck ici. On est bien renseigné. Bon, ok, nickel, on va partir forest direct avec Bat. Ah, il joue avec la version armée, ok. Ça m'arrange jouer, non. Que pour la défense, il est un peu mieux. Et moi, pour l'attaque, enfin, pour ma défense de mon côté, je suis mieux parce que normalement, il est censé y avoir le prince. Étant donné que là, il n'y a pas le prince, bah, clairement, ça me va. Ah, il y a quand même quoi? Il joue les deux? Mais dans quel monde on vit? Mais jamais de la vie, je joue les deux, en fait. Je joue un des deux, mais pas les deux. Comme c'est que la même va tomber. Ouais, je dis que... Est-ce que le bombardier peut faire un petit peu le taf là-dessus? Ok, ça me va.
Ça me va, on perd la mamie, mais ça va. Derrière, on met quand même. On arrive quand même à bien défendre. Mais ouais, là, son prince plus armé, ça me dérange un petit peu par contre. Prince armé. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il a foutu avec son deck? Ah, il a peut-être pas le clone, hein. Il a peut-être juste pas le clone, hein. C'est pas improbable, hein. Ok, il a pas le clone. Je pense qu'il a pas le clone. Il a pas le clone. C'est un brain. C'est un brain clone, en fait, le deck. Assez arbre comme façon de penser. Oh non, les trucs de feu. Putain, j'ai pas de chat. Oh, la honte. Oh non, j'ai pas eu de chance là-dessus. Les trucs de feu qui va chercher la seule batte qui reste là. Ça, c'est un peu triste, on va pas se mentir. Ok. On va leur mettre de la pression. Instant. Hop. On va tout mettre, hein. On va tout mettre. Ah, il a ses électrocuteurs, j'avais oublié ce détail là. Oh, attendez, parce qu'il a boule de feu, truc bidule chouette. Oh, ça va être chaud, hein. Ça va être clairement chaud de pouvoir faire quelque chose, hein. Ça va être très très dur. Ouais, après, avec foreuse en plus en défense, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Donc, on va les boules de feu, ça. Voilà, nickel. Ah, il a quand même le clone. Mais what, mais il a un deck avec combien de cartes, frère? Hein? Mais il a un deck avec combien de cartes, le frérot là? Oh, l'esprit de feu. Oh, l'esprit de feu. Oh, l'esprit, mon frérot. Oh, le boss. Oh, le boss, cet esprit. Allez, on va aller pré-shot boule de feu. Allez, faut que ça gratte. Allez, encore un coup. Non, ça a pas mis le coup. Aïe. Aïe, la boule de feu. Allez, oui, c'est bon, ça va passer large, on avait même défendu. Mais c'est incroyable ce deck, il est beaucoup trop fort. Ah, je sais que ça va faire une vidéo longue, mais j'ai envie d'aller finir le SD, hein, parce qu'on est vraiment pas loin. Hein. On est en 10-2. Il y a moyen. Allez, vas-y, on continue, on se dépêche. Mais il y a vraiment moyen d'aller chercher. Oh là, on a battu du Golem Clone, mais il avait quand même 15 cartes, je crois, le mec. Hein, parce que normalement, il n'y a pas armé de squelette, prince, plus truc, plus bisule là. Mais bon, c'est bon. Ah, il avait pas les bats. Ah, ok, c'est juste qu'il avait pas les bats, il avait l'armée de squelette. Je viens de tilt. Mais on a quand même gagné la game. Mais on est en 10-2 avec le deck. Hein. C'est incroyable. Ok. Ça sent le pick Abricham. C'est largement gagnable. Les potes. Bon, ça fera une petite vidéo longue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une vidéo aussi longue. Donc, j'espère quand même que vous allez kiffer, les potes. Ah putain, je pensais que c'était P.K. Bridge Fam, my bad. Il joue VV Dragon du coup. Ah, c'était P.K. Bridge Fam quand même avec une version foudre alors. Oh, regarde, mais regardez la mamie. Elle a touché quand le Kava? Elle a touché il y a 37 minutes, frère. Mais ça a pas de sens. Ah là, je m'attendais à perdre la Tesla et du coup à devoir galérer à défendre. Mais finalement, non, c'est au calme. Défense tranquille, frère. Merci, la mamie. Il vient de jouer ses bâtisses, on va partir direct. Hein. Bon, je sais qu'il a l'esprit électrique. Le sorcier électrique, pardon. Du coup, je vais le snap avec mamie. Allez, bombardier, s'il te plaît, dépêche-toi. Non, le changement d'agro, non. Bon, nickel. Ok, comme ça, il y a des petits cochons. Allez, le prince. Allez, mon frérot, c'est ton moment. Voilà, c'est ton moment, on l'avait cool. Et regardez la mine derrière qui a continué à faire sa petite value, là. Est-ce que ça va pouvoir faire spawn de cochon? Bien sûr que oui, sinon ce n'est pas drôle. On va pouvoir mettre un petit esprit de feu derrière. Ok, ça lui oblige de jouer son sorcier électrique. Ça me va, clairement. Du coup, on va partir foreuse ici. Avec les battes en plus, encore une fois. Est-ce qu'il va bébé dragon? Ce qui serait logique. Il bébé dragon pas là-dessus, mais qu'est-ce qu'il fait? Allô frérot, faut défendre. Bon, ça va, le KVBD qui a pu défendre pour lui. Ok, écoute quand même. Bon, je m'y attendais à ce qu'il maman il sorte sa food, mais peut-être pas aussitôt dans la game, mais enfin aussitôt. Sur un push, on va dire un peu pas fou comme ça. Mais why not? Allez, on continue. Allez, on met la pression là. Voilà, la bonne boule de feu ici, ça fait pas mal. Ok, oh, bon fuit à barbare de sa part, bien joué lui. Et on a encore un petit cochon qui va spawn ici, qui va aller remettre de la pression. Du coup, on va quasiment être à portée de boule de feu. 205 HP. Voilà, nickel.
Allez, on va remettre la Floris ici pour remettre de la pression. Allez, on va aller la chercher. On va aller chercher la 11e. On va aller la chercher la 11e, les potes. On va aller la chercher la 11e. Et le 11-2 qui tombe contre ce petit deck. Normalement, il y a un PK, mais il n'a pas pu le sortir. On a mis tellement de pression. Encore une fois, cette mamie qui continuellement vous met de la pression. Il y a eu un moment, même à un HP, elle va faire spawn ses petits cochons, elle va continuer à embêter votre adversaire et du coup, petit à petit, comme ça, tu te mets plutôt bien. 11-2, game final, les potes, ça part direct. Allez, on espère... Oh, le 12 avec ce deck-là, franchement, ça serait beau. Hein. Ça serait beau, parce que je promets que c'est la première fois que je le joue en super défi. Donc si on fait 12, ça serait vraiment sympathique. Bon, si on fait 11-3, c'est quand même bien. Bon, je serais un peu dégoûté, mais c'est possible aussi, non. Ok, ça part sur un Molos. Bah ouais, j'avoue que je suis pas forcément fan du Molos, là, mais vas-y, why not, hein. Why not? Ok, il va sûrement juste flèche les gobelins. Même pas? Il essaie de perdre la tour là? Ok. Alors, si c'est pas qu'on a la mamie et qu'il a pas de boule de feu, il est dans la merde. Hein. Ok, ça va pour lui. Mais du coup, regardez derrière cette boule de feu! Qui vient complètement détruire les espoirs de notre adversaire! On se met super bien, on a pris quasiment zéro dégâts, on a pu prendre une tour, on se met bien. On se met Gucci. Et ouais, parce que du coup, ayant la même sorcière en plus par rapport à une version plus classique du deck foreuse, c'est que du coup, votre adversaire est obligé d'aller la gérer la mamie. Non. Oh, le karma. Oh, j'ai envie de tout casser, frère. Oh, ce karma des enfers. Oh, mais c'est une blague, gros. Mais c'est une putain de blague, ce jeu. Mais c'est une blague. Mais allô, c'est une blague. Allô, c'est une blague. Oh, le jeu, c'est une blague, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible, frère, c'est quoi ça? Non. No way. Oh, c'est improbable ce qui vient de se passer. Je perds la connexion au pire... Enfin, je perds pas la connexion, le jeu plante au pire des moments. C'est impossible. C'est grave quand même de pas avoir réglé ça encore. Hein. C'est grave de pas encore avoir réglé ça, je trouve. Hein. Mais bon, au calme. Allez, ça peut la game est pas encore perdue. Faut juste réussir à défendre correctement. Mais forcément, bah là, on perd complètement. On perd l'avantage qu'on avait hein, dans la game. Hein. C'est un peu dommage, clairement. Ouais, du coup, là, je suis. Oh, aïe, aïe. Allez, ok, ça va gérer. Allez, on peut remettre la pression là-bas. Allez, s'il vous plaît, il faut réussir à... Oh, putain, j'ai oublié ces barbares de merde. Ok. Allez, c'est pas perdu. Allez, le prince Nébreux, s'il te plaît. Ok, il est obligé de mettre un mineur défensif, ça me va. Allez, faut que ça gère. Allez, on va remettre la Floris là-bas. Ok. Allez, faut pas paniquer, les potes. On est obligé de défendre comme ça. Allez, non. Oh, gros, elle est chaude, cette game. Oh, mes couilles, elles sont en train de s'amuser dans mon caleçon, frère. C'est incroyable. Donc on part en pré-shot. Allez, le pré-shot qui passe, bien sûr. Ça prend pas tout parce que c'est complètement pété. Allez. Oui, le cochon. Let's go. Malgré le bug du jeu, ce deck est trop pété, frère. Bien sûr, les 8 cartes ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, c'est incroyable. Oh, cette game. On a perdu une tour parce que le jeu est bugué, frère. Et on fait quand même 12. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, les potes. Oh, je m'attendais pas à cette fin, là. Rien n'est écrit à l'avance. Ne vous inquiétez pas, les potes. Incroyable. Ok, petite chauve-souris, on récupère notre petit légendaire. Ok, le petit méga chevalier. Incroyable, cette game, les potes. Incroyable. Incroyable. Du coup, on fait le petit 12 avec ce petit deck fort sympathique. Première fois que je le joue. On a juste pris les 8 cartes les plus pétées. On les a mis dans un deck. Voilà, à quel point, à l'heure actuelle, le jeu est pété. Voilà, hein, c'est vraiment cette méta, je pense. Il n'y a pas d'autre méta où on pouvait faire ça, prendre les 8 cartes les plus fortes, les mettre dans un deck, ça n'avait aucun sens. Là, tu prends les 8 cartes les plus pétées, tu les mets comme ça dans un deck, et ça fait un deck avec lequel tu peux faire 12 victoires.
Voilà où on en est à l'heure actuelle. Du coup, les potes, si vous êtes arrivés jusque-là dans la vidéo très très longue, n'hésitez pas à mettre hashtag pété. Hashtag pété, c'est très bien. Hashtag pété dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, c'était moi, les potes. Je vous fais des bisous. Peace tout le monde.